chaque fois, je capote que mon sport est populaire comme ça dans un pays dans le monde, là, tu sais. Yeah, 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 of course. Oh, thank you. Aux Pays-Bas, il y a vraiment une fièvre pour le patinage, là. Super, thanks. Yeah, you're welcome. De patiner devant une foule de plus de 10 000 personnes, pour nous qui avons grandi au Canada, au Québec, puis on n'a jamais vécu ça en patin, c'est vraiment spécial. Je suis juste heureux de pouvoir faire ça, puis c'est le moment dans l'année où je sens que mon patin, ça a une importance pour des gens, là, puis j'aime ça vivre ça avec eux. Representing Canada, Laurent Dubreuil. Je m'appelle Laurent Dubreuil et je suis champion du monde en titre aux 500 mètres en patinage de vitesse longue piste. Go to the start. Je suis ici à Heerenveen en fin de semaine pour répéter l'exploit. Ready. Beau trophée. Merci. Je suis arrivé de la Pologne avec les deux trophées de champion, ben champion au 500 puis deuxième au 1000 mètres au total de la Coupe du monde. Oui, quand t'es bon en Coupe du monde à travers toute la saison, t'es un des favoris évidemment quand t'arrives au mondial, mais ça pourrait absolument être un gars qui a zéro médaille cette année qui gagne le titre. Là. Donc, c'est pas parce que je suis arrivé avec deux trophées dans les mains que ça va se faire automatiquement du tout. Allô? Ah, vous êtes dans l'avion? Oui. OK. Ben bon vol. Salut Nathan. On se dit où? Salut Rose! Va t'asseoir dans ton banc! Va t'asseoir dans ton banc! Bye bye, Rose, je t'aime! Bon vol! Oui, c'est la première fois de ma carrière que toute ma famille proche là, vient me voir. Mes parents m'avaient déjà vu plein de fois à l'international. Mon épouse Andréane aussi avec Rose. Mais mon frère, ma sœur, ils étaient jamais venus me voir. Puis là, cette année, ma famille a décidé, là, tout le monde, on y va tout le monde ensemble. Alors, Robert Dubreuil, le patriarche, avec un petit P, j'ai avec moi ici ma conjointe Ariane Loignon, une ancienne patineuse comme moi. Nos trois enfants sont ici, évidemment, Laurent le participant, son frère Daniel et Annabelle Dubreuil, la plus jeune. Annabelle est accompagnée de son conjoint Antoine Roy. Et je garde pour la fin la conjointe de Laurent, Andréane Bastille, la petite Rose qui a 3 ans et demi, et le petit nouveau de la famille, Nathan, 5 mois. Andréane et mes enfants vont rester chez une famille néerlandaise là, qu'on connaît, qui sont devenus nos amis parce qu'ils m'ont hébergé pour la première fois il y a 4 ans de ça au championnat du monde sprint. Patinage de vitesse Canada n'avait pas de dans le budget rien pour nous qui voulions participer à cette compétition-là. Donc, je me suis dit, ben moi, je veux la faire quand même. Fait que pour économiser de l'argent, j'ai envoyé un appel à l'aide sur les médias sociaux. Mon choix s'est arrêté sur cette famille-là. I knew him, but let's say more or less a bit by name, not about the performance so far he did, but I know who he was, yeah, yeah, yeah. Quand je viens ici, je me sens comme à la maison, même c'en est malaisant d'être ici, là, vraiment. Les Vansmen nous accueillent comme si on était leurs propres enfants. Ils ont eux-mêmes 4 filles, puis c'est un peu comme si j'étais la 5e à chaque fois que je viens. Là. Vraiment, on se sent à la maison, là, on est à l'aise, puis il n'y a aucune autre expérience qui pourrait se rapprocher de ça ici. It's easy to cheer for him, so there's no doubt, let's say, when it comes to a distance where he skates, I'm cheering for him. Laurent, c'est un papa merveilleux. Il est présent quand il est là. Puis, tu sais, Rose patine, évidemment. Alors, il l'amène à ses cours de patin. Papa! Allô? Comment ça va? Puis là, ben, c'est sûr que Nathan aussi s'est greffé à la famille. Mais, tu sais, on voit qu'il est de plus en plus à l'aise aussi avec son rôle de père. On se parlera après. N'importe quel sport, t'arrives sur le site d'un championnat du monde, moi, ça m'impressionne tout le temps. C'est une compétition internationale, c'est une compétition internationale, peu importe le sport. Ouais, quand même, attends. Fait que là, tu rentres ici, puis c'est le top, là, c'est le centre belle du patinage longue piste. Fait que tu peux juste dire, waouh, là, c'est impressionnant, l'ambiance. Là, j'ai hâte. Fébrilité, là aussi, là. La beauté de la chose, c'est que c'est la même chose que si ça va se préparer pour une journée d'entraînement normale. On a nos points clés à regarder. Chaque jour, je fais exactement la même liste d'éléments à vérifier avec lui. En ce moment, il est dans la meilleure forme de sa vie.
La liste est aussi longue, mais ce que nous, on fait, les interventions sont courtes. Une certaine tension sportive, là, tu sais, on est la veille, tu le vois que les athlètes, les coachs sont très concentrés, même s'il y a une certaine conviviabilité. Le championnat du monde, c'est la plus grosse compétition de l'année. Tous les patineurs sont là, les meilleurs patineurs au monde, tout le monde veut être bon en fin de semaine, puis celui qui gagne est couronné champion du monde, c'est quand même quelque chose. Juste de le dire, j'en ai des frissons, là. Tu sais, le meilleur au monde, c'est vraiment cool. C'est l'heure du 100 mètres. Let's go! 100 mètres, c'est, on fait comme un 1000 mètres, mais on arrête un tour plus tôt. Fait que c'est le 200 mètres d'ouverture puis le tour le plus vite. On le fait pas avec un départ arrêté, ben ça serait trop dangereux que le monde que de toute façon. Fait qu'on accélère un peu plus progressivement, mais c'est assez explosif. Puis après ça, c'est un 600 mètres, pas mal à 100%, mais avec une légère retenue là, pour être smooth. Là. Fait que ça fait un peu mal, pas trop. T'arrêtes juste avant que ça soit mortel. Ma mission pour les championnats du monde, c'est... ben, ce serait de gagner, en fait, aux 500 mètres, mais je peux juste contrôler ma propre course. Donc, c'est de faire une course dont je suis fier, puis peu importe le résultat, que je me dis, ben, j'ai fait de mon mieux, j'ai une bonne course, une bonne journée, puis je suis content avec ma propre performance. On va l'encourager, puis peu importe ce qui arrive, on va être fier de lui, puis je pense qu'il va avoir la même attitude de son côté. Mais c'est sûr que... je dirais que c'est pas la... tu sais, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais venir le voir patiner en Europe. Ce serait cool si on pouvait être là pour la fois qu'il gagne. C'était bon, Larry. Patinais bien. Backstretch, en fait, c'était vraiment bon. Puis l'autre chose qui était vraiment bon, je trouvais que par rapport aux autres semaines, c'est ton dernier droit ici. Tu patines comme ça, là, bas comme ça, tchou, 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 extension, là. Puis t'attaques tes virages de main, tu donnes toutes tes chances. Ça fait 20 fois que je viens ici, là, puis à chaque fois, c'est comme un rêve de jeunesse de patiner devant une si grande foule. C'est des fans, ils connaissent les temps autour, ils sont investis dans la course, ils réagissent avec toi, ils savent apprécier les performances. C'est vraiment le fun de partager cette passion-là avec la foule. Elle commence juste une couple de paires avant. Là. Fait que, à partir de la paire 9 sur 12, ça va commencer à chauffer. C'est là que ça va commencer à être nerveux pour moi. Laurent carbure à ça. C'est sa vie. Ça fait qu'il va en profiter à chaque instant. J'en suis convaincu. Papa, il est venu s'asseoir sur la manœuvre. Stressée, heureuse d'être là, un mix de beaucoup de choses, mais surtout j'ai hâte de voir comment ça va aller parce que il est prêt. Je peux pas être plus prêt qu'en ce moment, puis je souhaite juste qu'il y ait la course qu'il souhaitait. C'est sûr qu'on veut qu'il gagne, tu sais, on est sa famille, mais on veut qu'il soit heureux, on veut qu'il soit satisfait de sa course. Laurent a toujours dit, si j'ai une bonne course puis je suis troisième, ça veut juste dire qu'il y en a eu deux meilleurs que moi ce jour-là, puis je vais être correct avec ça. Voici donc Laurent Dubreuil, champion du monde en titre. Sit down, thank you. Just after the start, no problem. Laurent Dubreuil! Yeah, 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 yeah! C'est papa! On fait pas de bruit, d'accord? Un 500 mètres, c'est court, hein? Fait que sur la ligne de départ, 10 000 personnes sont silencieuses. C'est comme dans une bibliothèque. Go to the start. Ready? Oh, go, let's go, let's go! Oh, wow! Quand le fusil de l'arbitre sonne, nous, on s'élance, mais la foule aussi. Puis là, on entend comme un rugissement. 9,52, le voilà! Clash-les! Oui?
Paris, ça va être serré. Laurent Dubreuil doit pousser le Japonais qui l'a devancé dans le virage. Et Laurent Dubreuil qui réussit! La course se termine, là, tu réalises ce qui vient de se passer. Tu célèbres, mais la foule célèbre avec toi. Puis c'est vraiment un moment magique. C'est comme compter un but dans la Ligue nationale. J'imagine là, que tu fais de la performance puis tout le monde réagit à ce que tu viens de faire en même temps. C'est un sentiment dur à décrire. 34-46, premier avec une paire à faire. Ce sera donc une médaille assurée pour le Canadien, pour Laurent Dubreuil. Laurent Dubreuil. Yeah! And now. Sorry, emotion. Je vais mourir. Attention, cette course-là avec deux sérieux candidats. Numéro 2 au monde, Yuma Murakami. Et le jeune Américain, le prodige de 18 ans, Jordan Stolz, 5e au monde. Jordan Stolz qui est champion 9, junior. 37. Oh, 9-3! Go, Yuma! Go, Yuma! On dit go! Go, mais pas trop! Oh, Stolz rapide, regardez-le sortir du virage. Il devance le Japonais. Champion du monde et champion junior et senior en même temps. Oh! Oui! 34-10 à 18 ans. Quel jeune homme est exceptionnel. Deuxième, Rose. Ça y est, deuxième. Deuxième. Non, on était dedans, je pense. Ouais. On tripait, là. C'est un 34-48 qui vaut à peu près la moitié du coût du billet d'avion juste pour le 34 secondes. Non, on a aimé ça, là. C'était... Ah, mais c'était un bon show, quand même, là. C'est sûr que j'aurais aimé ça gagner, mais j'aurais pas pu gagner aujourd'hui. 34-10, ce que Jordan a fait, c'est inconcevable comme temps, là. J'ai la difficulté à expliquer à quel point c'est bon pour les gens qui regardent ça. C'est comme courir contre un alien, là. J'ai dit à 60 ans, je pense que je vais dire à mes petits-enfants que j'ai patiné contre toi. Là. T'sais, c'est à ce point-là, ça n'a aucun sens d'être bon de main. Second place, winner of the silver medal, representing Canada, Laurent Dubreuil! Ben, c'était vraiment une bonne fin de semaine, dans la mesure où Jordan Stolz faisait 34-10 puis gagnait le 500, le 1000 puis le 1500, il était imbattable. Deuxième au 500, c'est ce que je pouvais faire de mieux. Au final, moi, quand j'arrive en compétition, c'est pour gagner des médailles puis partir de là avec une médaille d'or au Team Sprint puis une médaille d'argent au 500 mètres. C'est un super championnat. Regarde, c'est qui? Viens dedans! Moi, je veux le canin aussi. Oh, canin. À chaque fin de saison, se retrouver, c'est un moment plaisant. Bien que ça veut dire que papa va être très réquisitionné par Rose parce que là, elle a retrouvé papa. Allô? C'est papa. C'est papounet. Laurent a longtemps été très, très, très centré sur une et une seule chose, le patin. De devenir père, ça a fait de lui une personne plus complète, plus équilibrée, mais justement, il est capable de mixer les deux. Il a appris à dealer avec ça, un peu comme avec la pression ou n'importe quelle autre chose qui est amené à avoir à gérer là, dans les contextes de compétition. Good job, good job. Merci, merci. 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 Très belle course. Merci. Congrats, man. Thank you, Alvin. Great. Really thank great. Thank you very much. Yeah. Great. Congratulations. Thank you. Good job. J'ai hâte de juste passer des belles journées en famille. J'ai hâte à nos vacances en famille, aller au resto. Juste passer du temps avec Rose, avec Nathan, avec Andréanne. C'est des moments précieux. Puis malheureusement, ben, par mon travail, le patin, j'en perds quelques-uns de ces moments-là. Mais ça nous permet de se créer d'autres souvenirs comme ici en fin de semaine. Une partie de moi aurait vraiment aimé me souvenir de la carrière de mes parents, mais même que mon père a pris sa retraite, puis ma mère était enceinte de moi, donc je n'étais même pas né quand il a pris sa retraite. Tu sais, vu que c'était ma passion, c'était celle de mes parents, c'est une passion familiale, puis on ne l'impose pas du tout à Rose. J'aimerais ça qu'elle se souvienne de ce qui, moi, me rendait heureux, me faisait sentir en vie, puis qu'est-ce qui était ma passion à moi. Parce que je trouve que c'est des beaux modèles, des gens qui trouvent leur passion, puis moi, je sais que j'ai trouvé la mienne, puis j'aimerais ça que dans la vie, à Rose puis Nathan aussi, mais que mes enfants
n'hésitent pas à poursuivre leur rêve. J'espère que ça va leur donner les outils puis l'envie de trouver ce qu'ils aiment puis de pas se satisfaire de quelque chose qu'ils n'aiment pas dans la vie, tu sais, comme trop de gens, malheureusement. On est chanceux de pouvoir vivre ça. Je pense que plus tard, on va réaliser à quel point on a vécu une situation familiale extraordinaire, parfois pour le mieux, parfois pour le pire, parce que parfois c'est un peu difficile pour moi d'avoir tout sur mes épaules, mais non, à chaque fin de saison, on se dit qu'on est vraiment heureux de vivre ça ensemble.